Et bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis descendu dans le sud pour m'occuper des Vlandes. Et pour quelle raison est-ce que je m'occupe d'eux? Parce qu'ils ont tenté, enfin ils ont réussi à prendre le château de Garanteur que j'ai repris par derrière. Et ils ont tenté de reprendre le château de Troctorae, de Tractorae, excusez-moi. J'ai de la peine avec ces noms des fois. Donc, nous sommes à 1040, ici il y en a 225, ici il y en a 552, je pense que je pourrais tous me les faire assez rapidement. J'ai 48 prisonniers pour le moment. Oh bah tiens, je peux monter quelqu'un, c'est très bien. Par contre, il y a une chose que je comprends pas. Ça passe de 325 à 330, ça revient à 325. Je sais pas pour quelle raison. Mais enfin bref. C'est pas bien grave, donc cette fois-ci je vais m'attaquer au château de Tubilis. Et cette fois-ci, la culture est Azeraï. Donc là, par contre, je pense qu'on aura un malus, mais bon, ce n'est pas une ville, donc ça devrait passer. Mais si je me prends la ville de Kiaz, qui se trouve juste à côté, ben, ça risquerait de me poser un petit problème. Enfin, nous verrons bien. Là, je pense que je vais envoyer les troupes de toute façon. Est-ce qu'ils viennent? Ils ont pas l'air de venir. En tout cas, ils ont l'air surtout de, voilà, reprendre des recrues. Et puis, on va les laisser après se fourmiller. Enfin, se fourmiller, je me comprends. Je les appelle les petites fourmis, là, à force de se balader comme ça, par petits groupes. Tous au même endroit, forcément. Parce que quand on regarde, franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ils sont 13 avec des vassaux, je pense. Oui, voilà. Avec des vassaux, des mercenaires. Pour vraiment très peu de territoire, quoi. Une ville et deux châteaux. Donc, dont un qui est un peu plus au sud, là-bas. Je vais juste quand même. Ah, c'est bon. Tout se passe bien. Pas de panique. C'est qui ça? Derrière la tanneuse, ah, ok, bon ça va. Allez, on continue. Ils ont qu'à bien se tenir. Ça va, ils sont pas trop rapides, il me semble, pour construire leur catapulte. Voilà, il n'y a pas d'œuf de quoi que ce soit. Il est prisonnier, il y reste. Allez, c'est parti. Détruisez-moi ça. Trop tard, c'est pas grave. Ok. J'envoie les troupes. J'en perds 107 quand même. Prisonnier, on prend aussi cela. Celui-là, celui-là et cela. Comme d'habitude, on fait preuve de pitié et on passe au suivant. Par contre, oui, bon, bah, je pense que là, il n'y aura personne. Ils ont déjà repris. Ah, si, tiens, là, un petit peu. On va les prendre. Est-ce qu'ils forment une armée? Bah, regardez-moi ça, regardez-moi, c'est tous ces petits bouts rouges là. Vraiment des vraies fourmis rouges. Hein. Attends, attention, attention quand même. Ah, 115. Alors, Tubilis. On va voir à qui on va le donner, Tubilis. Manteos, quand même, toi tu vas rester par chez toi. On va aller dans les territoires de l'Empire. Encurion. J'ai pas envie de faire de jeu de mots. Tu vas aussi rester au nord. Et puis toi, par contre, toi tu as quoi? T'as juste Charas. Le vote voudrait que ce soit Montéos, mais ce sera Berican, c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Ah, vous avez, la relation n'a qu'à baisser. Faut que je fasse attention quand même. Avec Encurion. Encurion qui se trouve ici. 52, ça baisse un petit peu. 595, 1108 en influence tout de même.
Ce n'est pas rien. Ici, c'est bon. J'aimerais juste éviter qu'ils aillent en ville. Oh, les petits salauds. It's been a while. Ah, j'ai libéré personne. Par contre, je me fais des troupes. Et ben, on va les prendre. Oui, je sais, je sais. Non, c'est pas ça que je voulais faire. On va donner à lui. Paysan, tout ça, j'en veux pas, merci. Voilà. Toi, tu vas où? Assiège le château de Tubilis. Ok, bon, on va les défendre. Ils sont combien ici? Ah bah, ils sont 18, tu m'étonnes qu'ils vont attaquer. My heart. On envoie les troupes. 4 morts, plutôt bon. Ceux-là, on les prend également. Ah, à chaque fois, je fais l'erreur. Parfait. Ah ben voilà, moi qui voulais pas qu'ils s'y mettent, qu'ils y aillent. Comment ça se passe? Allez, 567, ça peut le faire. Enfin, ça peut le faire, ça va le faire. Allez, on assiège la ville maintenant. Par contre, pour la ville, je pense que je vais m'y attaquer. Faire la paix, non? Non, non, fais pas la paix. On fera la paix après. Dès que j'aurai récupéré cette ville. Oh, château de Tubilis, il est attaqué. Non, il y a deux catapultes. C'est pas grave, on va réattaquer le château de Tubilis après. Il faut absolument que je prenne la ville. C'est absolument non, mais... Allez, tout va bien se passer. Reprenez le château de Tubilis, il n'y a pas de problème. Ce sera repris après. Si ça se trouve, j'aurai le temps encore d'attaquer cette ville. Mais ça reste à voir. Je ne pense pas. Tu vois, des sturgiens ici. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Allez, on les replace. Ah, j'avais pas fait gaffe, je peux installer des balises de feu. Et on voit des projectiles enflammés plus efficaces contre les engins de siège. Ah bah tiens, j'avais pas fait gaffe à ça. Bon, pourquoi pas. Oula, ils ont bousillé 3 d'un coup. Bah allez, ils sont que 360, allez, on y va. 183 de pertes. Et j'en gagne que 16. Là, je prends au maximum. Puisque j'arrive en ville, je vais pouvoir les revendre. Ça me fait toujours du pognon en plus. On fait preuve de pitié comme d'habitude. On revend. Déjà, le commerce, ils ont que 40 000 en plus, mon dieu. Bon, allez, tout ça, on vend. On va revendre tout ça. Tout ça, ça va faire trop. Ah, juste, juste. Nickel. Allez, 4000, 5000. Non. J'aurai ça deux fois. Voilà, ça ira très bien. Ensuite. Pour 9463. Je pense qu'on est bon. Des troupes. Je peux encore en récupérer. On va prendre un maximum. Voilà, là, vous voyez, par exemple, là, je suis à 330. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas du tout pourquoi. Mais bon, voilà, j'ai laissé tel quel du coup. Il n'est plus que 680. Ah là-bas, ils défendent, mais c'est bien! Eh ben bravo les gars! Ils ont réussi à défendre. Du coup, propriétaire de Kiaz. Manteos. Il a la guitare, vous foie, il a quoi lui? Ortizia. Ah! Non mais la guitare, c'est vraiment au nord là. Qu'est-ce que je fais? Ils en ont tous deux en fait. Un château, une ville. Un château, une ville. Et une ville, un château. Ok. Allez, Montéos. C'est bien parce que c'est toi. Mon curion à 42, ça descend. On va faire attention quand même. Maintenant, du coup, il ne leur reste plus que le château d'Enbalik. C'est tout ce qu'il leur reste. Je vais tenter de me faire celui-là. 14 ans, mais dis donc, il serait bientôt adulte là, elle va bientôt pouvoir venir. Elle va bientôt pouvoir venir m'épauler. Plutôt bon. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir le monter pour elle? Ça serait pas mal. Ça serait bien aussi. Surtout qu'elle n'a pas monté quoi que ce soit pour le moment. Je vais lui faire monter l'arc. Et puis, on va monter sur la vigueur. Non, c'était quoi? Non. En médecine, ouais, pourquoi pas. On va lui mettre médecine, si jamais je vais lui faire en groupe, quand elle sera assez forte. Non, on n'est pas assez rapide. Donc, vous disiez que vous voulez faire la paix, c'est ça? Ou est-ce que je leur veux, ou est-ce que je l'ai fini? Si je l'ai fini, le problème, c'est qu'ils vont se balader un petit peu partout, et je pense qu'ils vont revenir par là. Si je leur laisse un château, ils vont rester vers leur château. Donc, l'idéal serait quand même de leur laisser quand même un petit quelque chose. Prisonnier, ça on va pas les prendre, ça ne m'intéresse pas. Ah, on est redescendu à 325, mais ouais, c'est n'importe quoi. On va donner donc des troupes. Voilà. C'est bien, dis donc. Allez, je vous les laisse. Je vais juste revendre un petit peu de prisonniers. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là avec la guerre, je dis bien. Bah déjà en commerce. Ah bah non. Et pourquoi mon centre 8000? 17 000? Ah ouais d'accord, mais non, non, oulala, ouais, alors il va falloir que je fasse plusieurs villes moi. Je ne sais même pas pourquoi je garde ceux-là moi. Arc court simple, non ça on s'en fout. Et puis 15 000, 38 000, j'ai quand même assez, mais je vais me débarrasser d'un maximum de pourriture là, qui me servent à rien. Beaucoup de choses, voilà, allez, c'est très bien, c'est pas grave. Ouh, dis donc. On va s'en faire encore un petit peu, hein. Je vais lui prendre
Les archers miliciens. Et on va les mettre là-dedans. Là, je suis quand même le roi, donc je rentre si je veux. Hein. Je devrais même pas avoir besoin de... demander la permission quand même, attends. Est-ce que c'est passé en haut du coup, les archers miliciens? Ok. Tiens. Alors, vous êtes 60 maintenant. Je pense que c'est bon. En recevant un tribut de 380 par jour. Soutien 100%. Allez. On arrête la guerre avec eux et on va en reprendre une autre. Alors pas forcément tout de suite, je vais déjà laisser quand même un petit peu le temps à tout le monde de se refaire. Et puis de toute façon, nous n'avons absolument aucune motivation. Donc là, on peut dissoudre l'armée. Allez-y, recrutez un petit peu tout le monde là. Enfin, que tout le monde puisse recruter. Moi du coup, on est combien là? 94, 102... et 124. J'ai toujours plus de... j'ai toujours plus d'archers. J'avais quoi? Non, c'était ici. Ça, je peux revendre. En commerce, t'as 82 000. Malheureusement, c'est pas suffisant. On va se placer par là. On va coquiner. Allez, quand faut vendre, faut vendre. Ça va me prendre un petit peu de temps. Je sais qu'il n'a pas assez de pognon. Enfin, en tout cas, normalement pas. Ouais, en fait, je devrais faire ça autrement. Bon, quoique non, ça va. Ça fait n'importe quoi. Alors maintenant je commence à avoir des choses. Des objets qui commencent à coûter cher. Ça devrait descendre beaucoup plus vite. Ça allait à la 10 000. Voilà, là ça va plus vite. Hein. Euh, 189. 105, 84, je sais pas. Allez, ça ira très bien. Niveau santé, on est tout bon ici, c'est pas un souci. Maintenant, il faut absolument que je retourne un petit peu là sur... on est à positif ou négatif là? Plus 1600, ok. Je devais... bah, j'ai passé à Praven, mais je crois que Praven c'était bon. Je vais plutôt passer ici d'abord. Je crois qu'on a encore quelques petites choses à construire. Back off, stranger. Oh, yeah. Merci. Au niveau nourriture, on est bon, hein. On va débarrasser un petit peu aussi de tous ces bandits là qui commencent à être beaucoup trop nombreux. Oh, un blessé. Allez, je vais sur Sargot, je vais revendre là-bas aussi. Ils ont pas beaucoup de pognon non plus ceux-là. Hein. Allez, ça devrait aller assez rapidement. À tout hasard quand même. Non, c'est tout bon. Non, ça j'ai pas besoin. Ok. Je
D'ailleurs, je me demande aussi si je devrais pas me mettre en guerre contre les Batanias aussi bientôt là. Est-ce qu'ils sont en guerre d'ailleurs? Le Père Occidental est en guerre avec les Sturgis, avec la Sturgie. Ils vont continuer à s'étendre au nord. Les Batanias, ils ne sont pas en guerre. Ouh, les côtés Cusa, dis donc, ouais, les Sturges, pauvres. Ils vont se faire ramasser là. Ouh, ils se font ramasser. Ouh là là. Il y a les Cusettes qui commencent à avancer aussi. L'Empire occidental qui, eux, deviennent quand même assez dangereux encore. Hein. Ils le sont toujours. 10 villes, 10 châteaux. C'est quand même pas trop mal. 10 000 de force, de puissance. Mais bon, franchement, avec mes villes, forcément. 856 défenseurs, 1096, 906 et 1012, forcément, ça fait déjà ça fait déjà pas mal. Je suis quasiment à la moitié rien qu'avec mes villes. Et mes châteaux, d'ailleurs, je devrais y être, je pense. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, c'était gérer le château. Ok, oui, j'ai à construire, dites donc. Ça, oui, ça je pourrais faire, ça va être assez utile, ça également. On va faire ça, ça et ça. Ah, et puis ça également. On va mettre un petit peu de sous. On va mettre encore, parce que là il y a quand même pas mal de construction. Pravend. Donc Pravend, on était tout bon. Ça, c'est ok. On va voir à Drapen. Je crois que c'était à Drapen que j'avais quelque chose aussi à faire là-bas. Alors atelier, jardin, grenier, mur. On va commencer par ça. Ensuite, on va faire les murs. Jardin. Grenier. Ouais, forcément. Et ça, on va rajouter encore une fois aussi 10 000. Ensuite, on avait quoi? On va à ce château. J'ai passé aussi un peu au nord. Je sais pas ce qu'il y a au château aussi de Tirby. S'il y a quelque chose à faire. Il y a des méchants pillards par là-bas. Bien trop nombreux. You got a problem. Allez, c'est parti. Est-ce que j'ai de la construction? Non, je crois que c'est tout bon ici. Tout à fond. Par contre, il y a un petit problème de nourriture. Pour quelle raison? Je ne sais pas trop. D'accord. Bon, rien à voir. Un château de druides mort. On va quand même y aller pour voir 437 ici. Le défenseur. Ah oui, mais ici je n'avais absolument rien construit pour éviter la baisse. Mais on m'avait donné une solution pour ça. C'était donc garnison. Ah non, c'était comme ça qu'on voyait.
il faut plus de milices que de... Non, il faut plus de garnison que de milices, c'est ça? Donc je crois qu'on est tout bon. Bah, de toute façon, il n'y a pas de rébellion ici, de toute façon, dans les châteaux. Je ne crois pas, j'ai jamais vu ça. Que dans les villes. Alors, qu'est-ce que je fais, dis donc? Eh, on y va, on construit, là. Allez, 40 000. Et on construit à fond, là. Grenier, c'était quoi? On va mettre ça, collecteur de péage. Garnison. Ensuite, mur, terrain de milice, château de châtelain, atelier. Et après, on refait un tour. Allez, c'est parti. Mais je pensais pas que j'allais garder les châteaux de druides morts. Je pensais quand même qu'ils allaient me réattaquer, les Bataniens. Mais ils ont compris qui c'était le patron. Donc forcément... Ah oui, c'est vrai, j'ai encore des prisonniers, là. Ouais, embuscade de caravane, ouais, bon... Je suis à fond. Déjà, taverne, on vend tout. La vendeuse d'épices, bon, viens avec moi. Et puis, je vais juste virer quelqu'un. Qui est-ce qu'on peut virer? Jeune Azeraï? Non, lui plutôt. Enfin, comme ça. Puis la vendeuse d'épices, et ben ma foi, tu sais quoi, ben, je vais faire une caravane ici. C'est quoi le vendeur de soie des fois? Exactement. Voilà. Du coup, je vais remplacer par par lui. Et château de Tirby, qu'est-ce que... Ouh, 55 pillards là. Ça va emmerder mes villageois. We're not looking for... Et 25 aussi pendant que j'y suis. Yeah, what do you want? Je disais donc le château de Tirby. Où est-ce qu'on en a ici? Encore beaucoup de construction à faire. Déjà, il n'y a pas de milice, quoi que ce soit. Garnison. Et puis on est bon. Hein. 20 jours. Allez, vas-y. Et puis Eustikan, tant qu'à faire. Revald, je crois que c'était bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Gérer la ville. Là, c'est tout bon, exactement. Tu ne m'intéresses pas. Et puis en plus, ils sont 906, donc franchement. Il y a juste Revalt, je suis pas sûr. Je ne crois pas que je vais vérifier là-bas. Ici on est bon également. D'accord. Il y a juste un problème de nourriture. Vas-y tiens, je vais tenter, je vais faire ta mission. I am Ed. Hop hop hop. 75.
Ok, ça c'est bon. Ici, c'est quoi la quête? C'est pas grave. Il va me demander de lui donner des bandits. Je renseigne les prisonniers. Le sage ne m'intéresse pas non plus. Très bien. Maintenant, il me manque une personne. Pas bien grave. On va regarder la motivation pour déclarer les guerres. Il n'y a absolument... Ah si, il y a les Azeraïs. Pourquoi? Vous voulez faire la guerre avec les Azeraïs? Le problème, c'est que si je pars la guerre, enfin, si je pars en guerre là-bas en bas, et qu'on m'attaque en haut, ça va être compliqué, là. Donc, il va falloir arrêter de raconter n'importe quoi, s'il vous plaît. Ah, ils sont incroyables, quand même, les hommes. Ils sont incroyables, mes hommes. Je suis obligé de les ramener. Ah ouais, en plus, je peux pas. En plus, je ne peux pas. D'accord. On va falloir leur amener des troupes. Ok. On va le faire soi-même, du coup. Je vais leur donner un petit peu des miens. J'ai pas mal d'archers, d'ailleurs, à donner qui me servent à rien. Enfin, pas qui me servent à rien, mais j'aimerais bien avoir plus d'infanterie que d'archers. Par exemple, je lui donnerais volontiers 24 archers, pourquoi pas. Plutôt utile pour lui. Et je les remplacerai justement par de l'infanterie. Donc aujourd'hui, on va tout remettre un petit peu tout ça, tout en place, tout correctement. J'espère que les autres, ils n'ont pas trop le problème de... Enfin, ce bug-là également, de rester coincé sur une ville, pour absolument comme lui, là, par exemple. Non, ça va, ils montent sans problème. Ils sont moins bêtes que mes vassaux, là. Que mes compagnons. Bon, je pense qu'ils essaient de recruter, mais... Il va falloir aller un peu ailleurs, les gars, là. Faut être un peu plus malin, quand même. Attends. Dogande. I'm yours to command. Vas-y, tiens, je vais t'en donner, moi. Non, déjà, ceux-là, j'en veux pas. Et ça, non plus, ça fait 3, 4... 5... six. Ouais, 6. 7, 8, 9, 10. Il m'en faudra encore 10 normalement. Voilà. Tiens. Alors c'est, j'aurais dû en donner 4 de plus, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il pourra passer un petit peu à autre chose. Ensuite, on va les récupérer de l'infanterie chez, eh ben chez eux là. S'il en reste, évidemment, je parie que non. Là, du Viglas, on s'en fout. Si je m'en fais un à chaque ville, enfin chaque village, ça va pas le faire, hein. Bon, j'espère que tu gères bien la ville, Macréon là. Je sais plus comment elle s'appelle, Montréon. Ben voilà, on en a.
Puis je pourrais même, en fait, voilà, on va faire ça. Je vais les monter moi-même. Est-ce que la motivation côté Zazerai est augmentée? Ils vont même me faire la proposition directement. Mais aïe aïe aïe, ça me dérange un peu quand même. Mais bon, pourquoi pas s'étendre un petit peu dans le sud, ouais. Bon, pourquoi pas. On va faire ça. Faut bien que je fasse un jour, mais par contre, la vendeuse d'épices, ça va être dans le caca. Hein. Si je déclare la guerre d'un coup aux Azeraïens. D'ailleurs, ce que j'aimerais savoir ici, est-ce que tout le monde a pu un petit peu s'améliorer? Pas vraiment pour le brave. Hein. Et silencieux non plus. Nogand, c'est bon. Il en a beaucoup, encore 82 seulement. Il a même pas 40%, bah dis donc. ouais, quand même. Hein. C'est un costaud celui-là. Et du coup, on est à 11 173. Du coup, je suis à combien moi? 93, 124, 108. Donc là, c'est déjà plus ce que je recherche. Maintenant, si je veux faire la guerre aux Azeraïs, évidemment, ce serait de continuer là le long. Pas trop le choix. De redescendre au sud et après tirer un peu sur la droite. Ils ont. Je crois pas qu'ils ont perdu encore quelque chose. Mais par contre, ils ont perdu une bataille. C'était Château d'Oeuvre. Qu'il voulait attaquer. J'ai encore beaucoup à faire. Hein. Là, vraiment, je viens juste de commencer mon royaume. Il va également falloir que je recrute quelques personnes. J'aimerais bien savoir quelque chose. Si je mets Azera ici. Moins 1. Ok. 0, ouais, non, non, c'est pas mes potes non plus, ceux-là. Hein. 24, tiens, Yalas. Il était à côté de Doc. On peut toujours tenter, mais. Il est où, Doc? Ah oui, ah ouais, bah non. Laisse tomber. Honnêtement, j'hésite. Je vais regarder déjà un peu leurs troupes. Et voir ce qu'ils valent. Enfin, leurs troupes. Leur défense, surtout. Regardez les Vlandes, les pauvres. 357. Et 1005. Aïe, 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 aïe. Ok. Pourquoi pas les Azeraïs, hein, quand même. Ils sont combien? 7294. Je vais aller voir Ascar. D'accord, donc il y a quoi faire, il y a de quoi faire ici. Hein. Il va falloir, il va me falloir assembler quand même. Le truc, c'est que s'ils sont motivés à leur déclarer la guerre aux Azeraïs, ça voudra tout simplement dire que les Azeraïs soient capables de revenir. Ça me fait marrer quand même cette ville parce qu'elle appartient aux Azeraïs en tout cas de base. Ensuite, elle a été prise par les Vlandes et maintenant, c'est pour moi. Il y a vraiment personne d'autre là. Non. À qui vous voulez faire la guerre, comme l'Empire occidental par exemple? Ah non, c'est les Azeraïs. Ils veulent les Azeraïs.
Et puis il me reste combien de temps? Il me reste voilà, 15 minutes à peu près. 10-15 minutes. Dans le bunkers, hein, oui, là-bas. T'as vu aussi, ils vont galérer à recruter. Hein. J'aimerais bien, le seul problème c'est que les autres imbéciles là, ils font comme Livland, ils vont recruter alors qu'ils devraient aller au nord, tout simplement. Ce serait quand même beaucoup plus simple. Au nord, il y a plein de troupes. Il faut arrêter de rester là. Là, j'ai un point, mais rien. À ce rythme-là, si vous vous battez tous pour une recrue, en fait, j'aurais jamais dû les lâcher ici. C'est peut-être de ma faute. 88, tout ça, ça donne quoi? C'est où? Non, l'armée. Ouais, c'est cela, quoi. Ouais, 700. On sera un petit peu plus que 800, ça me paraît vraiment médiocre. Tout ça à cause de ces imbéciles. Et en fait, si je fais ça. Ouais, je sais qu'une troupe a déserté, tu m'étonnes. Allez, on va voir nos gandes. I'm yours too. 328. Tiens, joli cadeau. Tu sais quoi en fait, ils recrutent, tu vas tous les prendre quand même. Apparemment, ils montent pas vraiment. Voilà. Ok, je vais attendre donc le vote pour les Azeraïs et à ce moment-là on verra bien s'il sera utile de faire la guerre. Oui, c'est vrai qu'ils sont aussi là-bas. Faudra pas que j'oublie ce château-là au sud. Hein. Le jour où je réattaquerai. D'ailleurs, il me reste quoi là? Encore 205 jours. Faudrait que j'y pense quand même. Oula. Faudrait que j'y pense avant de terminer tout ça. Enfin, avant que j'oublie, je veux dire. Là, je suis en train de me mettre la gorge à l'envers. En tout cas, Charas, pour le moment, ils sont tranquilles, hein. Allez, vous savez quoi? Ça fait longtemps que je me suis pas fait d'arène, je vais m'en faire un. Je vais m'en faire un pour voir un peu comment ça va se passer ici. Ouh, à 51 quand même, plutôt pas mal. Est-ce qu'on a toujours quelque chose à gagner? Je pense que ça doit dépendre du niveau. Si on gagne quelque chose de plus intéressant. Ça fait bizarre cette épée.
Elle est minu... Elle est vraiment minuscule. C'est du tous contre tous, ok. Est-ce que vous vous rendez compte là? Le public, il est en feu, tu m'étonnes. Le roi lui-même est en train de se battre. Par contre, faut pas que je perde quand même. Il en va de mon honneur, bah tiens. J'avais pas fait gaffe. Le problème, c'est que c'est vraiment de la merde. Il avait vraiment une très bonne armure, celui-là. Jutis. Regardez, qu'est-ce que c'est que ce masque? Enfin, ce casque plutôt. Ah, d'accord. Ah, j'ai chopé mieux. Et voilà. D'ailleurs, je me demande pourquoi. Ah, oui, d'accord. Ok. Bon, chapelle de fer, oui, vas-y, on peut garder, on sait jamais. Ce qu'on peut récupérer en groupe, 4 groupes. Caravane, garnison, c'était quoi exactement? Je sais même plus ce que je voulais faire, enfin bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là cette fois. J'aurais fait à peu près 50 minutes, un peu moins, 47. Je vais voir, en tout cas pour le moment, est-ce qu'ils sont toujours aussi motivés? 100% toujours. Une autre guerre contre quelqu'un, peut-être une petite motivation contre la Batanie? Ouais, la Batanie, ça m'intéresserait quand même un petit peu plus. Je pourrais reprendre Sargotte et puis remonter un petit peu là par les montagnes. Parce que là, il faut que j'avance également pour un là. Ça me sera plus utile. Allez, je fais une petite sauvegarde. Et c'est terminé. En tout cas, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !